sais, les OG de la les scène. OG, ils disent, Zero, c'est normal, normal. Mais oh, la gueule. Moi, j'imagine très bien Milon avec sa voix, il dit, oh, c'est normal, t'inquiète. C'est ça. Et moi, j'avais peur de prendre une patate. Oh, Falcon. Oh, let's go. On peut jouer. Let's go. Purée, merci. Ouais, merci. I used to play for time like this. Une game donnée. Ah ouais. Ikos, il parle beaucoup pour un mec qui est out. Ah. Et qui a quitté la venue comme un lâche. Ah, il a pris tel Spargo ce midi. J'avoue, il a pris Spargo. Oh, oh, zinzin. Il a tenté le. Oh, attends, wesh. Oh, ça clique ça. Ah, j'aime bien moi. C'est pas avec Bayo que ça avait fait ça. Moi, j'aime bien quand les gens ils font des hard reads et ça rate pas. Genre vraiment. Ça, c'est les bons matchs ça. Et ils veulent que se mettre des dingueries là. Ils veulent que se mettre des dingueries, c'est trop bien. Fille qui était prêt à mettre son waft qu'il n'avait pas, il était chaud. Il devrait faire un petit topper. C'est trop stylé. Nibodax, il a un vrai Falcon, j'avais dit. Ouais, il a un vrai Falcon. Oh, il a un vrai Falcon, Nibodax, ça rigole pas du tout. Ça, c'est cool ça. Ok, oui. Ok. Ah, est-ce qu'on va trouver un petit edgeguard rapide? Dose, bien joué de la part de vous, ça. On va pas sauter comme un début de la bike. Ah, par contre. Oh, petite rite de jump là. Oh. Ah, il a essayé. Ouais, ça se tente, ça. Ah oui. Oh. On va pas trouver le back air de la part de Mouffy. Est-ce qu'on va pas trouver les straps? Non. Ah, bon. Reste patient de la part de Mouffy. On va trouver le nerf 2. On va pas trouver le glitch, par contre, on va se faire rebêter le chrome. Oh. Ok, yo! Ouais, là, il aurait peut-être pu avoir un waft pour le coup. Ouais. T'en as un deuxième dans la game, t'aurais peut-être. Bah, il y avait de quoi connecter avec le mid waft, là? Ouais, carrément. Ah, c'est drôle qu'à ce point-là? Ouais, c'est. Ouais, t'inquiète. Ouais. T'inquiète. Bon, après, je suis out, mais ok. Ouais. Je suis trop nul, c'est bon. Ok, bien joué, il a pas encore une read de jump. Et Nibodax qui a décidé de read tous les jumps de Goofy jusqu'à la fin de la game. Ça marche bien. Oh, j'ai déjà eu cette situation, je connais ça. Ah. J'ai qu'à 150 games de Mouffy 300, mesdames et messieurs. Ah. Donner. On va être patient cette fois. Yeah. Ok, nice. On va revenir avec la bécane. Oh, attention, on va essayer de temporiser un maximum. On prend des risques, hein, parce que plus tu temporises, plus tu te prends le risque de prendre un vilain downer là. Oh. J'aime bien les petits waveland into aerials là. Ah, c'est plutôt mignon en vrai. Ah, on a raté. Dommage, ouais. Pas la bonne hitbox. Ok, pourquoi pas. ça tape, hein. Là, ça clique d'un côté comme de l'autre. Et le trade qui partira à l'avantage de Nibodax, évidemment. Ouais, il est mort à 195 hein, pour sa défense. Ouais. ça s'agirait de partir un jour. Et puis, il brille un peu bizarre, là. Ça pue un peu, vraiment, ça pue. Ça tue jamais, par contre, malheureusement. Ouais, c'est Bells qui caste... Salut. C'est unique. Oh. Ok, ah, on va trouver la punish là-dessus, mauvaise DI, mais c'est pas grave, la dash attaque tue pas. Ok, ça va tuer. Ça tue de zinzin, on l'oublie à chaque fois, mais c'est ultra fort. Ouais, c'est trop fort, c'est trop fort ce downer, vraiment. C'est trop fort. Oh, ouh. Oh, j'avais vu le vilain petit là. On l'a vu tous. Oh, quoi. Ouais, ça m'a l'air d'être tranquille. Mouffy qui devrait pouvoir revenir. Dommage, parce que là, il est dépositionné un tout petit peu plus en avance à connecter le up smash. Ouais. Ok. Oh, ça serait sur place là. Ça aurait pas connecté dans tous les cas. Ça connecte pas. Ouais, on tente hein, pour Mouffy 300, on veut son vilain petit là. Ah, ça connecte toujours pas. C'est la loterie. Ah, il est bourré de mauvaises intentions là. C'est la loterie, il a pas touché le gros lot là-dessus. Non, clairement pas. Oh, attention, il va très haut là, il va se prendre un vilain repère. Hein. Arrête de m'atterrir dessus, a-t-il. 1-0, exactement. La entière up smash, franchement, grand respect à lui. Ah, vraiment. Ça fait 4 fois qu'il essaie d'atterrir avec son R2 pour avec des attentions très malveillantes. Il a dit non. Et du coup. Ah, et Hazel l'a emporté 2-1 contre Kimarito. Il s'était pas déjà joué tout à l'heure, E2. Non, il a joué Neo Chronos chez Hazel. C'est moi qui ai joué Kimarito. Ah, c'est toi qui as joué Kimarito. Et ouais. Kima out hors top 8. Jun Globu est en train de se jouer. Dia, du coup, s'est qualifié pour le top 8. Et Popo Billy. Bon, ça va être long ça aussi. Ma réaction quand Popo Billy. Je vais dire une game donnée par Mouffy, oui, ça doit être ça, ouais. Ouais, bien sûr. On nous prend vraiment pour le dindon de la farce, Farzi. Il costera bien. Oh. Ah. Youhou. 32. Youhou. Il n'y en a pas eu un seul qui a connecté la game d'avant, là il y en a 12. C'est bon, tout va bien. Il a pris la modique somme de 63% sur une petite phase d'avantage. Il a raté son combo, on le rappelle. Ah bah ça va alors. Après il rend bien l'appareil clairement Nibodax. Le berger, la bergère, tout ça on connaît.
Est-ce qu'on y va là pour Mouffy? On va tenter un downer. Oh, c'est ça, c'est honteux. Ça, la hitbox qui tue pas, honteux. On va trouver le bon backer là pour Mouffy. Ah, mais ça marche pas sur Falcon quand tu le fais sur le stage. Il faut vraiment que t'ailles taper dedans. Ouh, mignon, mignon. Non, j'aime bien ce matchup, ça clique vraiment. Hein. Ah, pour le coup. Ah, c'est un matchup d'homme. Hein. Ouais, ça se tabasse. Ok, on a trouvé le M2 et l'autre alerte. Très bien, ça a un petit mix-up de l'atterrissage avec le. Oh avec ouais. Le down B, oh la ouais. Grosse phase d'avantage de Mouffy 300 là, hein, là. C'est là l'été opti pour le coup. Bien joué ouais. De la part de Mouffy. Ça c'est une phase d'avantage de top 1 Lillois. Hein. Ouais, on dirait. Oh, oh oui. Oui. Putain, on a ri de l'annoncer là-dessus. Bien joué. Ah, la tech est trouvée par contre. Ouais. Elle est pas évidente celle-là. Hein. Non, elle est pas facile du tout parce qu'il y a tellement de blocs sur le truc. Bien vu, ça a aussi faire fort un style. Très bien. La Mouffy qui va mettre la pression. Oh, elle strap. Voilà, on met des petites box safe. Ouais, le ledge trap, si tu bouges, t'es mort. Exactement. Oh, bah, pas. Il est mort, et bah oui, bah oui. Il a bougé un peu trop. Il a bougé. Un peu trop amplement. C'est Squid Game, tu bouges, t'es mort. Squid Game. Oh, la même. La même, et Mouffy est choqué carrément. Ouais, c'était pas trop, mais si t'air dodge pas, c'est trop. Il a fait une tête de flabbergasted là. Ok, on va prendre la petite down throw dash attack. C'est DIY out pour Mouffy, on connaît le match maintenant, normalement. Le petit cadeau de la part de Nicolas. J'accepte votre cadeau bien volontiers. Skyrock. Merci beaucoup. Et là partout, on égalise. Ah ouais. Sur un side B, vraiment. Alors side... il a donné son corps à la science là. Ouais. La science en question. Ouais, Mouffy a vraiment fait des belles expériences dessus. Mouffy le scientifique fou. Et on reste sur Falcon. On reste sur Falcon pour Nimolax. Un choix audacieux tout de même, hein, parce que Mouffy il connaît bien le match-up. Ouais, vraiment, c'est pas un match-up facile pour Falcon en réalité. Ouais. Parce que bon, les deux se tabassent, mais Wario tabasse un poil plus que. C'est ça. Oh merde, faut que je charge mon tel, moi. Comme je sais pas. Hop là, attendez, je re deux secondes. Pendant que Nibodax met tous ses points dans le shield. Par contre, il va se faire reverse là-dessus, malheureusement. On va trouver. Je vais trouver un strap au triple dentit. Ah, par contre, on va encore donner son corps à la science là, malheureusement. On va prendre l'attaque sans double pair. On va trouver le backer là-dessus. Mouffy qui est bien parti. Avec un énorme. Ah, on a failli trouver le kill là-dessus. C'est dommage. Par contre, le genou. C'était pas loin là-dessus. Et ça, il faut arrêter. Parce que le F tilt ne marche jamais sur l'haricot de Falcon. Ça sert à rien. Oh, bien joué ça. Petit mix-up au down B. Petit mix-up au down B. Et Nibodax qui fait ce qu'il veut pour l'instant. Oh, reverse. Go get reversed. Bien joué ça de la part de Mouffy. Et Mouffy qui va esquiver ce backer à rien, qui va trouver le upthrowner. Bien joué, le neutral B en l'eau. Ah, Mouffy qui joue très très bien là-dessus. Oh oui. On va encore se faire mixer là-dessus. Oh, savoir spot, pas de bol. On va trouver le B, non, même pas. On va trouver le B. On va trouver upper. Ah, le petit fer qui va... Ah, Nibodax qui est dans le dur, Nibodax qui attend trop longtemps. Ça dégage, il a attendu beaucoup trop longtemps. Oh là là, et Mouffy qui fait ce qu'il veut dans cette game. Ouais, je suis parti une minute, il se fait casser la gueule là, Nibodax, ouais. Il s'est passé. Ah bah, une fois il a offert son corps à la science, et la deuxième fois, bah, c'était chaud pour lui, vraiment, Mouffy a trop bien joué. Ouais, super bien, ouais, j'ai l'impression. Ah, là, on a encore fait un. S'il te plaît, marche. Oh, il est mort. Ah, bah oui, évidemment qu'il est mort. Et de un stock. Aïe! 3 stocks, une dinguerie, et il dit save. Même game, on fait la même game. On fait la même, mec. Tu peux te foutre en l'air comme tu l'as fait, c'est parfait. N'hésite pas à recommencer. Est-ce qu'on va avoir un counter pick là du côté de. Ouais, est-ce qu'on sort la vilaine bio là? La vilaine Bayonetta. Et alors, de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Après, mon fils connaît. Ah, 2-0 pour Globu, hein. Oh putain, quoi? John qui passe. Ah ouais, comme ça. Passe pas. Ah, donc Globu, Azel, Dia contre. Le perdant de ces deux là. Ah non, où on est Popo? Ah, et Popo. Popo Billball, ça joue, hein. Popo Billball, 18 minutes, ça doit être la première game, je pense. Yo, is that sounds from Undertale? Yo. Globus joue Ridley Scott. Ah, Alastite. Oh! Entre qui? Attends, y'a une game qui vient de se finir derrière. Ah non, c'est Ostensio. Ok, vas-y, tiens-nous au courant. Ok, let's go. Un last hit entre Billy et Popo. Ah, c'était vraiment stack aujourd'hui, hein, pour le coup. En même temps, le match-up, ça va être horrible. Ok, oh, attends, oh là.
Je connais pas le perso, ça se voit. Non, il a le permis, hein, clairement. Ouais, ok. Nimodax a le permis Bayonetta depuis un petit bout de temps maintenant. Ouais, on va le laisser au volant, je vais rien dire. Oh, ça, s'il avait un petit D.I.N. de la part de moi, c'était Terminado. Il était potentiellement mort. Ouais, Nimodax, il joue Bayo depuis maintenant, le début d'Ultimate, hein, si ce n'est plus. Ouais. D'aussi loin que je me souvienne, quand j'allais faire les tournois à Liège, à l'ancienne, il jouait déjà Bayo. Hein. Ouais, top Bayo européen. Hein. Oui, mais très clairement. Là, mais il joue Falcon visiblement pour se marrer. Ouais. Ça lui a bien marre, parce qu'il a pris une game à Mufi, ce que je n'ai pas fait. Hein. Ah, on va trouver le double pair. En fait, c'est ça le match-up, vraiment, dès qu'elle a du lag, tu dois la tuer. Ouais, c'est sinon, ça. Faut profiter. Mais le truc, forcément, c'est que. Pour éviter ça, elle va se mettre au ledge, donc il faut jouer un bon ledge trap pour Mufi. Exactement. Et voilà, et le c'est voici ce qu'il fait. Avec un nice back air. Nice back air, bien joué de la part de Mufi. Et là. Et là, c'est ce neutral horrible contre Bayo. On a affronté la grosse read. Ah, là, on va devoir avoir une punish là. Ok, les petits ups trop classiques. On n'a pas pris de Goris là pour Mufi. Mais 40% c'est bien contre Bayo. Bayo, ça pèse rien. Oh. On peut le 60% et on peut le tuer là-dessus. Oh, ça oui. Sur une très mauvaise DI, mais c'est trop dur. Ouais, c'est pas mal, c'est la DI, hein, franchement, le mid-waft. Ouais. Les dégâts de Mufi, il est en train d'infliger une correction à niveau d'axe. Hein, là, ouais, il joue trop bien, ouais, franchement. Il joue là. Excessivement bien, il attend toutes les air dodge, il punit toutes les air dodge en conséquence. Non, vraiment. Une leçon de Smash Bros, si j'ai envie de dire. Ouais. Le roi du Nord, très clairement. Ah ouais, oh. Et le petit backer qui va passer tout de même pour Nimodax. Ça, c'est le combo le plus long du jeu. Hein, vraiment, ça dure trop longtemps. Il est lancelé. Hein. Oh. Attention, reverse de zinzin, une instru. Ok, on a tenté la part de Mufi. Ah, Mufi connaît bien Bayonetta. Hein. C'est un verso contre qui il a l'habitude de donner. Et c'est un verso qu'il joue également à ses heures perdues. Donc, forcément, il connaît un petit peu des trucs. Il s'est beaucoup documenté sur ce que peut faire et sur ce que peut ne pas faire Bayo. Et son échappé, oh là là, il a dit qu'il était en plus raté. Ouais, mais là, ça aurait pas changé grand chose. Hein. Ouais, et ce critère qui dit qu'il a réglé Mufi, bon. C'est un débat. Le règlement en question.